Mardi 19 mars 2013. Aujourd'hui, en 1975, j'écrivais mes haines. Un vaste petit poème lyrique que je n'aime pas beaucoup. En 1990, avec Catherine Dupont-Avis, sur ce texte, je réapprenais à écrire. Ce mardi 19 mars 2013, Baranne à Aubervilliers, nous finissons de corriger mes haines. Vas-y, Baranne, fonce, je t'écoute. C'est à ta convenance, comme d'habitude, tu le sais. Hé, Baran, absolument génial. J'étais en train de filmer depuis tout à l'heure, mais j'avais oublié d'ouvrir l'objectif. Ce qui fait que tout le début, on voit rien du tout, mais on nous entend. Maintenant, je commence à filmer. C'est rigolo. Tiens, je suis un caméraman redoutable, moi. J'oublie d'enlever l'obscurateur de l'objectif, l'obstruateur de l'objectif. La canne des aveugles. Bon, là, je crois que pour la canne, ça doit suffire. Parce que putain, c'est chiant. Vas-y encore un petit peu, histoire de donner un document aux foules attentives. Et le travail s'accumule. Et le travail. Toi, tu préfères puis? Allons-y pour puis le travail s'accumule. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Scandalisé, outré, horrifié par la masse de travail,
Oui, d'accord. Je suis d'accord pour enlever les pronoms personnels. C'est déjà assez lyrique comme ça. Alors attention, Baran, je vais couper l'enregistrement à la cam. À la prochaine fois, hein, si vous le voulez bien. Coupez!